Bienvenue dans la radio de la récré. Venez vous exprimer. Voilà, bah bienvenue alors Denise dans la web radio La Récré. On va te poser 2-3 questions. Bonjour Florian. Le sport, ça te parle? Ben maintenant non, je n'en fais plus. Non, autrement j'allais à la gym, à la récré, avec la ville, mais je n'y vais plus. Tu aimes faire du sport à la base, Denise? Bon, la gym ça va, mais sinon pas trop. Gym. Et pour le moment, ici, pendant la période de confinement, est-ce qu'il y a quand même quelque chose au niveau sportif que tu as pu maintenir ou tu as carrément tout abandonné? Mais j'ai tout abandonné, sauf la vidéo de gym avec la récré. Je fais la gym tous les lundis. Ou sinon, je fais plus de gym. Je fais plus rien. C'est déjà bien hein, de maintenir ce tout petit entraînement-là et cette activité, même si elle est minime, c'est déjà super important. Et pour toi, quelle est l'importance du sport pour les seniors, Denise? Ah ben c'est pour te tenir en forme. On a pas mal aux jambes, et parce que je commence à avoir mal aux jambes. T'es chez moi, je vais pas promener. Mais ça tient la forme hein, pour nous. Mais malheureusement, moi, je ne tiens pas la forme. Si je suis en forme, hein, mais ça va. Donc tu es consciente que c'est important, mais... Toi, à ton niveau, c'est un petit peu compliqué de trouver la motivation, c'est ça? Je ne pratique pas. Super, ben merci Denise. Merci bien, pour oui. Pour toutes tes réponses et pour ta participation. Mais de rien, c'est avec plaisir. Ben, ce sera la prochaine fois. Bisous. Bonjour Christiane et bienvenue sur la web radio de la Récré. J'espère que tu vas bien. Bonjour Yael, tout va bien. Alors, j'aimerais te poser ici quelques petites questions pour simplement avoir ton avis. Est-ce que le sport, ça te parle, quoi? Est-ce que ça te dit? Est-ce que tu fais du sport? Je n'en fais plus, mais je m'étais dit déjà, j'en ai parlé avec un de mes fils, que dès que la récré recommence avec du sport, ben je m'inscrirai. Parce que je sens que j'ai besoin de bouger, de faire quelque chose de mon corps. Voilà. D'accord. Et pendant le confinement, du coup, est-ce que tu as quand même pu garder un peu d'activité sportive, si je peux dire? Mais je marche. Disons que je marche. Même s'il pleut ou quoi, je trouve un moment dans la journée pour marcher. D'accord. C'est déjà fort important, hein? C'est bien. Oui, ça me fait beaucoup de bien. Et de façon générale, qu'est-ce que tu penses de l'importance du sport pour les seniors? Bon, c'est important, hein, c'est toujours important, parce que plus on vieillit, il m'a fallu longtemps pour m'en rendre compte, parce que je conduis jeune vieillir même, mais on se rend compte qu'on s'enquilose, que quand on ne fait rien, on déprime, parce que moi, pendant un moment ici où je ne faisais rien, ben, j'ai commencé à marcher parce que justement... J'ai déprimé, donc ça me faisait faire du sport, ça me faisait beaucoup de bien de quand même sortir et de marcher. Donc à la récré, je n'allais pas à la gym, mais si ça recommence comme avant et qu'il y a du sport, ben, je dirais. Super, ah ben parfait. Merci Christiane. Bienvenue Marie-Claire dans cette web radio de la récré. On va passer à leur deuxième thème. Le sport, ça te parle? Pas tout à fait, parce que bon, moi je n'ai pas été sportive du tout, à part un peu de gym à l'école, natation là c'est zéro, puisque je ne sais toujours pas nager, enfin on m'a foutu dedans, hein, donc c'est normal, la peur de l'eau est toujours là, enfin c'est pas trop grave, je me suis organisée pour faire d'autres activités, hein. J'ai marché beaucoup, maintenant moins bien sûr, après des opérations dans le dos, c'est plus difficile, mais j'essaye de garder des activités, au moins une demi-heure tous les jours, des petits exercices. Et quand je peux, ben, je vais marcher. Voilà. Donc en gros, c'est pas trop ton truc, toi, le sport, mais tu maintiens quand même une petite activité physique quotidienne et régulière pour garder la forme, c'est ça? C'est bien ça, ben oui. Parce que plus on avance en âge, plus il faut garder un peu d'activité
comme on peut, voilà, dans les mesures du possible. Il y a des activités vraiment pour tout le monde, que ce soit assis en chaise ou n'importe comment, il y a toujours une activité qui peut correspondre à quelqu'un. Et je crois que c'est quand même le principal pour garder une bonne santé, c'est d'avoir une bonne alimentation et aussi un peu d'activité. Exactement. Et donc, du coup, tu es quand même consciente de l'importance du sport. Et quel est ton avis, toi, par rapport au sport pour les seniors, justement? Ben oui, mais voilà, le sport pour les seniors, c'est vraiment quelque chose qui est adapté. Donc, moi, je connais le programme de Alteo Eneo, puisque j'ai suivi ce cours qui donnait la possibilité de faire une gym douce et adaptée, donc selon les possibilités des gens, soit ils étaient debout, soit ils étaient assis. Et voilà, et j'ai toujours tout ce qu'il faut pour continuer à faire donner ce cours, mais je ne le fais pas, donc... Mais je peux faire des activités, par contre. Merci pour ce petit témoignage et ta participation, Marie-Claire. De rien. À bientôt. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Alors voilà, bonjour Scola. Bienvenue dans la web radio récré. Alors on va continuer avec la deuxième question par rapport au sport. Ça te parle, le sport? Ah, c'est sûr que ça me parle parce que... En général, une fois que les gens sont pensionnés, tu sais, ils deviennent sédentaires, ils bougent de moins en moins, ils n'ont plus de vie sociale. Je n'en fais pas partie, mais ça arrive. Et puis, les gens deviennent isolés. Tandis qu'en pratiquant un sport, ben, ça t'aide à diminuer ou à contrecarrer les douleurs qu'on attrape. Là. Une fois qu'on avance en âge et qu'on ne bouge plus, ça évite le stress, ça procure un bien-être, ça aide à garder notre équilibre et notre coordination. Quand on fait des agiles ou parfois tu vois, d'ailleurs, qu'on est en difficulté pour coordonner certaines choses. Et alors, ça conduit aussi à une vie sociale. Hein, parce que si on pratique en collectif, comme nos bouillons, ou du temps où les infrastructures étaient ouvertes, on se fait des copains, copines et même des amis. Donc, on peut dire que le sport, c'est très bon pour la santé physique et mentale. Quand je passe 3 jours sans ma séance de gymnastique, je sens que mes jambes elles deviennent lourdes. Je me dis, il est temps de t'y remettre. Hein. Ah oui. Donc, en temps normal, toi, tu fais du sport quand même. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu. Et qu'as-tu maintenu comme activité sportive pendant le confinement alors? En temps normal, je faisais la fois une ou deux fois par semaine à l'Outremeuse via donc, la ville de Liège où on paye une entrée et puis 1 euro pour faire la séance de gymnastique. Mais c'est arrêté, donc après, je n'avais plus rien sauf avec toi. Donc, et si tu n'avais pas été là, Tu maintiens quand même une petite activité sportive. Comment maintiens-tu une petite activité sportive ici pendant le confinement? Ah, mais c'est ce que je t'ai dit. J'ai fait mes séances de gymnastique quand ils nous l'envoient. Maintenant, il y a un froid. Si tu es en forme, quand je suis en forme, je fais la marche active. Quand c'est moins bien, je fais l'autre. Maintenant, il y a avec les bras. Et puis alors, dans les mois passés, j'ai dû faire une trentaine de séances de kiné parce que j'avais du mal avec mes jambes et on m'a appris des exercices à faire chez moi avec les étirements en élastique, donc ça je l'ai fait pendant le journal télévisé. Non, je bouge. Très bien, et donc comme tu as pu l'expliquer au début, pour toi le sport est vraiment très important pour les seniors, pour toutes les raisons que tu as évoquées au début. Oui, oui, oui. On en attrape et on maintient nos articulations souples. Non, on a un bien-être physique et mental. Je confirme. D'accord. Merci, Scola, pour ta participation et tes réponses à toutes ces petites questions. Super, merci. À très bientôt. Avec plaisir. C'était Radio Récré. Merci pour vos témoignages. Et à bientôt pour de nouvelles thématiques.